Non mais regardez ces épaisseurs, c'est juste magnifique. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui, j'espère que votre confinement se passe bien. Aujourd'hui on est dans le 92 à Levallois-Perret et on va à la rencontre encore d'un restaurant qui reste ouvert avec la livraison, avec la vente à emporter. C'est un resto en plus dont vous aviez été nombreux à me parler il y a quelques mois quand j'avais testé Alfie qui était dans le Marais et qui faisait des gros sandwichs avec plein de charcuterie. Donc c'était un resto cachère avec la charcuterie cachère qu'on trouve dans le genre de d'Élise à New York notamment. Et vous m'avez dit, il y en a un autre qui fait ça à Levallois qui s'appelle Chlou qui a ouvert aussi il y a quelques mois. Du coup, c'est aujourd'hui ou jamais qu'il faut y aller, c'est parti. Bienvenue chez Chlou. Et on y est, lui c'est Ben. Ça va Ben? Bah ouais, et toi mon gars? Ah, c'est trop fort. On m'a parlé de toi depuis quelques temps en plus hein. C'est vrai. Donc en fait comment tu peux pitcher l'histoire? Bah alors en fait moi je suis charcutier. Ouais. Boucher depuis une dizaine d'années même. Ouais. On fait notre propre charcuterie. Une quinzaine de choix de charcutes à la coupe à mettre dans les sandwichs. Pas mal de pains différents, des salades fraîches, des sauces fraîches tous les jours tout frais. Et on peut composer son sandwich comme bon nous semble. De A à Z. C'est ça le concept. Du coup toi t'es charcutier, mais c'est-à-dire tu l'as fait toi-même? Ouais. Ou tu l'achètes? Alors on fait les deux. D'accord. Il y a quelques tubes qu'on fait nous. D'accord. Nos best, on a des. Alors on n'a pas de porc bien sûr. Mais tout ce qui est à base de volaille, de veau, de bœuf, donc on a nos jambons de veau qu'on fait nous-mêmes, on a des salamis de bœuf qu'on fait nous-mêmes. Ah ouais, c'est top. Nos pâtés, nos foie gras. Ah oui, donc là c'est carrément monsieur le charcutier qui lui-même fait la charcuterie, pour certaines charcuteries en tout cas quoi. Exactement, et après on importe aussi chez des distributeurs qui viennent de Strasbourg, qui viennent de Rome, des charcuteries un peu fumées, de séchées, ah ouais, italiennes. C'est génial parce que là du coup je viens d'arriver et la première chose qu'on voit en fait c'est comme quand tu vas chez le charcutier en fait. Bah voilà, t'as toutes les charcuteries qui sont... En plus de l'activité de sandwicherie, on fait aussi de la charcuterie à la coupe, des plateaux de charcuterie. Ah ouais, donc si je veux juste ma charcuterie comme ça pour faire mon petit plateau le soir, hop, je peux venir. C'est exactement le concept. Ah c'est pas mal ça, ouais, donc bah charcutier ouais. Et comment tu dis ça? Sandwicher? Sandwicher, ouais. Casse-croûtier. Oh là là. Alors, ah ouais, ça c'est genre en mode... C'est la mise en bouche. Non mais attends, c'est quoi cette mise en bouche? Je suis tout seul hein. Alors du coup là t'as mis plusieurs trucs. Ouais, je vais... Bon alors, là on part simplement sur de la terrine de foie gras maison. D'accord. Et je t'ai mis des petites tartines faciles et je t'ai accompagné ça avec une petite confiture de figues et des petites brissures de truffes. Ah génial. Ça dépend, je sais pas si t'aimais la truffe. Ouais j'aime bien. Voilà, saupoudré. Ah ouais, comme ça on peut saupoudrer et tout, trop bien. Ça c'est mignon. Après, plusieurs charcutes différentes. Alors ça c'est un grand classique, c'est la poitrine de dinde fumée. D'accord. Là on part sur un jambon de veau qu'on fait maison donc, okay. Et celui-là il est à la broche avec une petite sauce au miel. Okay. Tout comme cette dinde aussi, là c'est la cuisse de dinde qui est aussi au miel. J'adore quand c'est coupé tout fin comme ça là. Alors ouais, tout le concept, toute la charcuterie qu'on fait, on la coupe bien sûr en chiffonnade. Ouais. Déjà, et c'est vous la coupez genre minute quand vous préparez les sandwichs? Ouais exactement. Exactement. Ça change quelque chose, on m'a dit, quand c'est coupé minute, ça sèche moins. C'est bien plus frais, ouais. Ouais. C'est bien plus frais, c'est plus fondant en bouche, ouais. Et il y a plus de saveur. Après voilà, comme je te disais, on importe des charcuteries d'Italie. Alors ça c'est une brezzaola de bœuf. Ok. Ça c'est des petits saucissons secs d'agneau. Ah ouais. De la rosette. Saucissons d'agneau. Ah ouais, c'est marrant. Tu vas voir, c'est un peu plus gras mais ça a vraiment beaucoup de goût. Et ça c'est aussi une de mes préférées. C'est une carne seca. C'est une copa de bœuf mais qui est poivrée. Ils appellent ça la viande séchée. Ça vient directement de Rome. Eh ben non. Ça c'est une copa de veau. Ok. C'est ce qui va ressembler le plus à du porc, on va dire. C'est ouais. Une viande blanche qui a quand même beaucoup de goût, qui font bien sécher, qui font fumer. C'est extraordinaire aussi. Et ça, c'est de la poitrine de bœuf fumé, comme les cornichons d'ailleurs. Exactement, ça s'appelle du pickle fleisch. Ah oui, c'est alsacien, allemand par là. De l'Est. Ouais, je me souviens. Quasiment tout le concept ici, c'est, on va dire que c'est des origines d'Europe de l'Est, de Pologne. Et donc comme voilà ce gros cornichon par exemple mal au sol, qui est l'image de la Pologne, et bien toutes ces charcuteries, tout le concept du délicatessen, c'est vraiment un concept d'Europe de l'Est. Et qui avait été beaucoup apporté du coup à New York. Bien sûr, et qui aux États-Unis ont repris fois 1000. Donc bien sûr, on s'est inspiré des délicatessens new-yorkais à la Katz et plein d'autres institutions là-bas. Bien. Avec notre charcuterie française à nous. Ah, et il a amené du pain alors qu'on est qu'aux entrées. Si je me blinde de pain dès le début, mais t'as l'air d'avoir des bons pains. Du coup, ça vient d'un boulanger. Alors exactement, ouais, c'est un boulanger qui nous les prépare tous les matins frais. C'est du pain bio en plus. Et là par exemple, c'est ce qu'on appelle un pretzel. Alors c'est une sorte de pain bagel en fait, mais d'accord, sans trous. Et il y a des petits oignons par-dessus et quelques graines de pavot. Pas mal. Direct à faire toaster, c'est très moelleux, donc ça se mange même froid en vrai. D'accord. Mais nous, on adore toaster. Ah ouais, c'est pas mal aussi. Et du coup, vous l'utilisez aussi pour les sandwichs? Ah, carrément. Ouais. Du coup, il y a l'embarras du choix. J'ai commencé par le pickle fleisch, parce que quand j'étais petit, j'allais dans un restaurant alsacien qui était dans le 8e arrondissement et ils faisaient des sandwichs au pickle fleisch. J'ai jamais remangé ça depuis. Regardez la beauté de la charcuterie, quoi. Couper tout fin comme ça et t'en mets quand même une bonne dose en bouche.
ça te fait de la douceur dans la bouche. C'est trop trop bon. Tiens, la copa. Le pain est bien chaud. Je vais me le tenter avec les petites sauces qu'il m'a mises là. Il a une sauce qu'ils appellent la sauce Big Mac. Mais les charcuteries sont tellement bonnes que même sans pain et sans sauce, ça passe. Hein. Je me fais un sandwich avant le sandwich. Ah, les sauces sont très sympas. Hein. Florian ? Oui ? Non, un autre. Ah ! Florian, c'est de la bonne charcuterie cachère. C'est parfumé. Et puis le fait que lui-même soit charcuterie de base, de métier, ça apporte vraiment une dimension particulière à ce concept de sandwicherie à base de charcuterie, puisqu'il en fait une bonne partie lui-même ici, quoi. Bon, et franchement, j'avais dit je vais pas en manger beaucoup, mais j'ai quand même mangé la moitié du plateau. Mais je t'en ai laissé parce que t'as dit que t'en prendrais un petit peu après. Sûr, j'aime la faire avec toi. Là, c'était juste pour goûter les différentes sortes de charcuterie. Avant de passer au truc phare de l'endroit, ce sont les sandwichs. Du coup, t'appelles ça un chelou ? Exactement. C'est quoi un chelou ? Un chelou, c'est un bête de sandwich de qualité. C'est toi qui as inventé le mot ? Bah, en fait, c'est mon nom de famille. Ah, c'est ton nom de famille ? Oh, carrément. Ah, c'est l'abréviation de ton nom de famille ? Exactement. Ok, d'accord. Chlubitsky. Ah, trop marrant. Qui a un nom d'Europe de l'Est. Ok, bah ouais, pour le coup, ouais. Alors, c'est tout sur mesure de A à Z. Alors, c'est 9 euros. Après, il y a des petits suppléments en fonction de ce qu'on prend. Mais sinon, pour 9 euros, on a droit du coup à un pain qu'on peut choisir. Exactement. Donc, les 4 qu'on en a parlé tout à l'heure. La tradition, le pain pavé, ce qu'on appelle le pavé, c'est la ciabatta. Ouais. Et après, les pains ronds à l'oignon ou à l'olive, qui sont, on va dire, les tubes, les produits phares. Ensuite, parmi les charcuteries, on peut en choisir jusqu'à 3 dans, si on veut, dans son sandwich. Exactement. Pour les 9 euros, c'est compris, c'est 3 charcuteries. C'est compris. Donc, dinde fumée, pastrami, veau, rosette, dinde au miel, oie fumée, salami, mortadelle, dinde au poivre et bressaola. Après, on peut ajouter des petits toppings en plus. Exactement, toujours compris. Certains sont compris, sauf l'avocat et le cheddar. Avec un petit supplément. Ouais. Ce qu'on appelle la salade israélienne, en fait, c'est un petit tartare de tomates et de concombres. D'accord. Et ensuite, on peut choisir la sauce. Exactement. Du coup, ce sont des sauces pour l'essentiel que vous faites maison ? Ouais, carrément. Une petite spécialité, c'est on appelle ça la base pâté. Donc, c'est notre pâté, le crème de foie de volaille qu'on étale à la base d'une sauce. Ah ouais ? Sur le pain. Et ouais. Ça fait pas trop ? Ça fait trop, mais c'est ça le but. Ah, peut-être qu'il y aura des... je pense que je vais en tester deux. Sur un des deux, on peut se faire comme ça. Ah, carrément. Bon, allez, on compose et on vous montre juste après. Alors, forcément, vous l'avez compris, pas de brigade des fast-food en suspens pendant cette période de confinement, puisque la brigade est au chaud, bien confinée, mais on pense grave à eux. Et comme c'est le jour de la brigade des fast-food, quand même, petit clin d'œil, publicité. Franchement, je pense qu'à la Nawes depuis hier, c'est un truc d'ouf. C'est bon, hein, franchement. Oh, je pense qu'à ça, c'est un truc de malade. Ah bah tiens, il y a Ali qui arrive là. Ça va, Ali ? Bien, tranquille ? Bon. Ouais, super. Ouais, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un problème ? Je vois une sauce. Tu le reconnais pas, c'est Ali ? On doit faire une pub pour Nawes. Viens, on se met tous à côté. Nawes, c'est la base. Je comprends. Attention, attention, de retour en pleine composition du sandwich. Alors, du coup, je t'ai dit, je te fais trop confiance. Alors, t'as une bonne tête, tu mets sympathique, je te fais confiance. Ça, c'est cool. Allez. Donc, je t'ai pris un des pains fétiches du magasin, c'est la ciabatta, d'accord. C'est le pain pavé. Je t'ai mis la petite sauce Big Mac en haut avec de l'avocat. Ok. De l'autre côté, j'ai mis la moutarde miel et une petite goutte de Trina. D'accord. C'est la crème de sésame que je t'expliquais tout à l'heure. Ah, donc déjà, ça va avoir du goût, quoi. Voilà. Mais tu m'as dit que t'étais pas trop sauce, donc j'ai été léger quand même. Ah non, mais c'est bien. Bah disons que comme les charcuteries, je les ai goûtées, elles sont bonnes. Bon. Ça sert à rien de les noyer dans la sauce. Je suis complètement d'accord. Les petits cornichons tranchés, un peu de chou rouge. Maintenant, on part sur la charcuterie. Allez, au revoir. Pastrami de dinde au miel. Pastrami de dinde au miel. C'est une couche de dinde qui est rôtie avec un petit goût sucré. Qui est le miel. D'accord. Première couche, c'est notre jambon de veau maison donc, qui va ressembler au jambon prince de Paris mais qui est dans l'épaule de veau. Okay. On appelle ça le veau à l'os. Ok. Alors tu dis quoi aux gens qui disent oui mais si on blinde de plein de charcuterie on va sentir le goût d'aucune charcuterie. Bah, j'ai déjà goûté ce genre de sandwich et je trouve que c'est super agréable d'avoir toutes les charcuteries en bouche en même temps. Même si elles sont très bonnes aussi à part. Après, c'est vrai que pour vraiment reconnaître la saveur de chaque charcuterie, c'est mieux de la manger une par une. C'est pour ça que j'ai fait la dégustation avant. Voilà, le concept. Maintenant, j'ai le droit. Et c'est pour ça qu'on a aussi une ou deux recettes où c'est full pastrami, d'accord. Full veau à l'os. Mais après, le concept de mixer quand même, comme tu as dit, on arrive quand même à reconnaître plusieurs goûts différents. Ouais, non, c'est sympa. Là, c'est un pastrami de bœuf. Vraiment typique comme à New York, qui ressemble à un roast beef, mais qui va être légèrement plus fumé que le roast beef. D'accord. Et je pense qu'on n'est pas trop mal. Là, ça a l'air plutôt sympathique. Hein. C'est minimum 250 grammes de charcuterie dans le sandwich. Ah ouais. Petite tranche de fromage. Oh bah oui, quand même, hein, quand parce même que ça me paraît un peu léger tout ça. Bah ouais, c'est ça. Donc alors après, c'est un fromage qui est à base de soja chez nous. Ouais. Mais ça reste fondant en bouche et ça donne pas mal. Parce que du coup, en cachère, il n'y a pas de lait. Exactement, ça. Nous, on n'a pas de produits laitiers. En tout cas, il y en a, mais qu'on peut pas mélanger avec la viande. Ouais, c'est ça.
Mais bon, franchement, dans un sandwich, c'est quasiment kiff-kiff. Ouais. On va faire fondre un petit peu. Ah, ah ouais, chalumeau. Ouais, chalumeau. Et après, bien sûr, quoi qu'il arrive, ça va au toaster. D'accord. Pareil, la marque de fabrique de la maison, c'est de les faire toaster et de les couper en deux. Je t'ai mis deux, je t'ai mis l'équivalent du cheddar et l'équivalent de la mozza. D'accord. Magnifique. Et après le toastage, ça va être encore plus beau. Ah bah ouais. On envoie celui-là au toaster et du coup, on s'en fait un deuxième avec, oh là là, ce beau pain. Exactement, le pain pretzel, alors du coup, qu'on a dit, ouais, à l'oignon. Moi, c'est mon préféré, il y a aussi à l'olive, mais je trouve que l'oignon, ça se marie mieux quand même. D'accord. Celui-là, on va le tartiner de pâté maison. On va mettre des cornichons et de la rosette aussi, parce que comme tu peux le voir, la vie en rosette. La vie en rosette. Voilà, c'est notre philosophie dans le magasin. J'adore. On a plusieurs sortes de pâtés. Il y a la rillette. Ouais. C'est de la rillette d'oie ou de canard, ça dépend des semaines. Ouais. Comme le foie gras que t'as goûté. Mais le plus crémeux, le plus sympa dans les sandwichs, ça va être la crème de foie de volaille au mori. Ah ouais, vas-y, on voit ça. Barbara. Une jolie tranche. Allez, pâté. Genre la base du sandwich, déjà, c'est le pâté. Déjà, c'est tout un poème. Un petit peu de jambon de veau par-dessus et un petit peu de rosette. Explosion de saveur. Allez. Ah, en plus, des deux côtés. Ah, ah ouais. C'est pas drôle. Ah, vous êtes des vrais, c'est bien. Alors, il y a un petit goût de mori dedans, mais qu'on sent pas trop. Ce qu'on sent surtout, c'est les foies de volaille. Ah ouais, là, vos beaux cornichons, là. Voilà, ça, c'est les vrais cornichons d'Europe de l'Est. On appelle ça les malosols. Du coup, t'envoies un petit peu de rosette dessus. Voilà, elle est belle, déjà elle est belle. Un petit mis de rosette. Je comprends pourquoi tu vois la vie en rosette, hein. Ah bah ouais. C'est une passion. Allez, un petit peu de verdure par-dessus, ouais, on referme et ça part au toaster. On va quand même remettre un peu de rosette. Ah, tu trouvais que ça manquait de rosette, hein? Ah ouais. Ah ouais, c'est vrai qu'il y avait pas assez, hein. Allez, oh là va, là. Allez, à tout de suite. Oh là là, ça y est, c'est passé au toaster. Ah ouais, maintenant il faut que t'assumes, hein. Eh, tu vois, ça passe bien, parce qu'au toaster, du coup, on n'a pas l'impression qu'il y a autant que ce que t'as mis. Parce que ça aplatit le tout. T'as tout compris. Oh, alors en fait, c'est une tartine, quoi. C'est voilà, c'est ça. Tu vas le manger en 20 secondes, quoi. Eh, celui-ci, avec l'avocat, le chou rouge et tout, ça rend la chose trop belle. Alors, et celui-là, il est moins joli, mais à mon avis, il est encore meilleur. Ah ouais, je sais, mais moi, de toute façon, ce qui compte, ça, c'est ce qui va dans l'estomac. Ça, c'est viandard à fond, ça, c'est viandard, et c'est vrai que ça, c'est plus joli. En plus, c'est dans celui-là qu'il y a le pâté, et regarde, ouais, on la voit, la couche de pâté, là. Exactement. Par là, là, ici. Ouais, en haut et en bas. Ouais, en haut et en bas. Donc ça, c'est le pain pretzel qu'on a vu tout à l'heure, le pain rond, et ça, c'est la petite ciabatta que je t'ai fait. Trop fort. Eh ben écoute, allez, on va goûter ça. À toi de jouer. Hein. Eh, merci Ben. Bon, ça c'est pas pour moi, mais juste, vous faites aussi des sandwichs foie gras comme ça. Bah voilà, pas besoin d'attendre le 25 décembre. Pour exactement, mais le foie gras c'est toute l'année quand on peut. Exactement. Ça c'est une vraie phrase. Voilà, il va falloir vraiment travailler la mâchoire. Bon, ça c'est les deux parties du sandwich, hein, forcément. Je commence par celui avec l'avocat et tout là. Celui-ci, il a l'air royal. Non mais regardez ses épaisseurs. C'est juste magnifique. Dédicace à mon ami Isma qui m'a tout appris au niveau de la mâchoire, mais j'ai pas réussi à intégrer tous les cours encore. Je vous dis, c'est vraiment bon. Les charcuteries, je les ai goûtées tout à l'heure, donc je connais déjà. Mais là, marié au pain toasté et avec le petit avocat et tout ce qu'il m'a mis là, les choux et tout ça, ça fait un mariage vraiment parfait. Moi qui suis adepte de la bouchée parfaite, là on y est. Là, je viens de sentir la petite sauce Big Mac qui m'a ajouté aussi, qui est très légère, qui est présente, qui est là juste pour mettre ta petite cerise sur le gâteau en fait. C'est délicieux. Et franchement, malgré l'épaisseur et tout, ça se mange assez facilement. T'as pas l'impression de manger un truc énormissime. Et franchement, le premier sandwich, très très bon. Et aussi un petit peu de fromage. Donc il m'a dit, c'est pas du fromage au lait, mais du fromage de soja. J'ai pas trop senti en fait, comme c'était noyé au milieu de tous les trucs. Bon, je peux pas vous dire, mais en tout cas, c'était super agréable à manger. Là, celui-ci, il sent particulièrement bon. Ça sent le pâté, comme on dit. Pourquoi quand on dit ça sent le pâté, c'est pour un truc qui sent mauvais? Ça sent bon, le pâté. Ça sent bon au moment où tu le manges. Mais si ça continue de sentir le pâté après, quand t'as plus faim, là, tu trouves que ça sent mauvais. Et là, franchement, ça, c'est celui des viandards, quoi. En plus, il y a les cornichons aussi dedans. C'est énorme ce qui se passe. Le pâté, il y en a une bonne épaisseur, donc tu le sens vraiment bien. Et ça t'apporte, tu sens le goût, tu sens la consistance aussi du pâté mélangé à la charcuterie sur le dessus. C'est vraiment super agréable. Peut-être que tout le monde n'aimera pas, hein, cet aspect, mais je surkiffe de ouf. Je trouve ça trop bon. Ça fait partie, je crois, des meilleurs sandwichs que j'ai mangé ces derniers mois. Le pâté en base, mais hey, le pâté, c'est trop bon. Allez, ça se mélange bien avec la charcuterie. Parce que tu sens le goût, la consistance, ça t'apporte un petit peu d'onctuosité. Et avec la charcuterie par-dessus, c'est une idée de génie. Je te dis, j'étais en train de dire du bien de ce sandwich aux gens. Tu m'as surpris, en flag. Ah non, c'est vraiment très très bon. Le pâté en base, c'est une super idée. Vous voyez cette bouchée là, avec toute la charcuterie? C'est celle que je vais m'enfiler maintenant.
Bon, Ben, merci pour l'accueil, merci à toute l'équipe aussi. Hein. Franchement, ils sont top, ça fait trop plaisir. Et je me suis régalé. Mais vraiment bien, quoi, ça fait vraiment plaisir. Donc, je vous mets toutes les infos dans la description si vous voulez venir, l'Instagram, l'adresse et tout ce qu'il faut. Et puis, bah, à très très bientôt. Bonne chance pour la suite. Je vois que ça fait plaisir parce que malgré la crise et tout, vous, c'est dû emporter. Vous avez votre petite réputation dans le quartier. Les livreurs s'enchaînaient, les clients aussi. Donc, bah, ça fait plaisir de voir un endroit où ça continue de marcher en ce moment. Et force à vous, hein, pourvu que ça dure. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, il y a le taf. Bah, du coup, petit pouce vers le haut hein, si vous avez kiffé la vidéo. Vous vous abonnez à ma chaîne. Et on se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian en air. Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi Florian en air, bien sûr. À plus, ciao. Salut.